De quoi? Bah du coup moi j'étais surpris, j'ai pas pu le dire. Alors, salut les voyeurs. Eh oui. Donc ce matin, comme on vous l'a dit, on a loué un scooter qui nous a été livré directement à l'hôtel. On prenait le petit déjeuner et il est arrivé. Je crois qu'on n'a jamais eu un scooter aussi pourri. C'est vrai, il n'est pas extra. Mais il est confortable. Il est confortable et il roule pour l'instant, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. Ce matin, on a été obligé de mettre une petite laine, ben, parce qu'on a l'impression de traverser la forêt de Fontainebleau. Oui, avec la brume, les arbres et tout, ça fait exactement ça, maman. Puis il fait pas très très chaud non plus. Quoi. Seule différence, la route est un peu moins linéaire. Ouais. Donc la direction ce matin, on se rend à la cascade de Guangxi. Guangxi. Oui. Bon, je sais pas si on va s'y baigner, vu le temps. On verra. C'est une chute d'eau à plusieurs niveaux. Je pense que ça va être sympa. C'est un des lieux incontournables ici à visiter, maman. Ben oui. Quand même. Tu peux te concentrer sur la route. Oui, je suis concentré sur la route, maman. Et il y a un véhicule toutes les 10 minutes. Tout va bien. Hein. Voilà, nous venons d'arriver, cette camionnette est en panne et Wiki, le sauveur, a décidé de les aider. Résultat, on va être en retard à la cascade, hein. Ouais. Oh, Is, oh, Is. Allez, fais son poids, hein. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et non. Ça n'a pas fonctionné, Wiki, tu t'arrêtes? Non, ça fait déjà deux fois. Donc maintenant, on va quand même aller voir la cascade. Il n'y a pas grand monde. Ah bah, tu m'étonnes, il est 7h du matin. Non, il n'y a pas grand monde. Il est 9h. Ouais. C'est ouvert depuis 8h. Il y aurait pu y avoir déjà un peu de monde, mais on ne sera pas les seuls. Il y a quand même 5 ou 6 scooters. Un ou deux vannes, ça ne va pas tarder à arriver. Vu la taille du parking, ça me fait penser à Erawan. Aux cascades d'Erawan en Thaïlande. Donc quand même, cette cascade est située à 30 km au sud de Luang Prabang. Il faut compter une petite heure en roulant tranquille en scooter. La route est correcte. Donc les tarifs sont là, au-dessus de Wiki, et comme d'habitude, 15 000 pour les locaux, 25 000 pour les étrangers. C'est un parc pour les fainéants, ça? Oui, mais écoute, c'est bien. On va partir avec une petite voiture électrique, c'est sympa. On va juste attendre qu'elle se remplisse, quoi, en fait. Oui, peut-être, oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. C'est l'accès, hein. Tout le monde va prendre ses véhicules. C'est cool, hein, ces voitures électriques, mon amour, quand même. Ouais, c'est très bien. Ça nous évite de marcher le dernier kilomètre, aussi. C'est ça. Ah, mais moi, j'ai fait mon sport, c'est bon, hein. J'ai poussé le camion. Touristique, hein? Ah bon? Normal, maman. Normal, quand même. On est bien ici, là, maman. Hein? Bah oui, il y avait deux possibilités, soit une grande route en béton, soit une petite route en béton dans la nature. On a choisi celle qui passe dans la nature. Waouh! Mais non, c'est pas un vrai, hein? C'est un pantin articulé, maman. Allez, je sais pas si on va voir grand chose, hein. Ils sont pas tout prêts quand même. Ils sont peinards? Je sais pas s'ils sont peinards, parce que malgré tout ils sont en prison, maman. Allez. Oui, non mais ils sont là, c'est pour les sauver du braconnage et tout, donc ils les mettent là pour les préserver. D'accord, alors tout va bien alors. Je sais pas. Thank you.
Eh ben moi, ça m'a plu, maman. Oui, une des plus chouettes cascades qu'on ait vues quand même. Ah, j'ai aussi aimé quand même Erawan en Thaïlande. Je dis une des plus belles. Ah oui, c'est vrai. C'est Et vrai. Voilà, tu n'écoutes rien. Non, c'était vraiment sympa dans la jungle comme ça. Mmh. En plus, on a eu de la chance à l'ouverture à la personne. Ouais, on est arrivé très tôt, c'est ce qu'il fallait faire. T'as vu le retour là sur le pont? Ça oui. Y est, c'est parti. Hein. Oui, bah oui. C'est normal. Il est que 11h10, les bus après vont arriver et tout quoi. Oui, donc du coup ce matin on s'est pas baigné hein, parce qu'il faisait frisquet quand on est arrivé. Et en fait maintenant il fait comme d'hab. Bah, on a tombé des vestes. Oui. Il faut dire qu'on a crapahuté aussi. Ah oui, il faut grimper pour aller faire cette petite balade en radeau là. Oui. Il faut monter bien quoi. Un peu comme quand nous sommes montés au viewpoint. Moins longtemps bien sûr, mais c'est la même chose. Hein. Du même acabit. Ah bien, bravo maman. Bravo. Oh, extraordinaire. Donc maintenant on va redescendre tranquillement, mais cette fois-ci par la route. Oui. Et nous allons à Londres. Allons manger. Ben oui, on va se restaurer, bien sûr. C'est normal, ma amour. Ah ben voilà, j'ai compris pourquoi j'ai pas de visibilité en montagne. Voilà, tous les 4 mètres, il y a un petit feu. Ah oui, faut arrêter ça. Ah oui. Faut prendre à gauche, ma amour. T'allais oublier de tourner, je pense. Eh hey, maman, je sais pas où on va. Mais on y va. Mais on y va, ouais. Il va le balader en scooter, mais là c'est un coq pour les combats, donc il en prend soin. Et il tient pas par les pattes simplement. Il a un harnais trop fort. Super. Non mais le coq, regarde comment il est installé, franchement. Il est pas tranquille. Et là. Regarde, l'essence arrivée direct, hein. Vas-y. L'essence. Oui, mais c'est... Ah oui, direct, une petite bouteille. Waouh. Trop fort. Trop fort. Si ça c'est pas dans son jus, maman, alors là. Et ça coupe nickel, t'as vu? Ah oui, y'a pas de soucis, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est des fruits à coque et à l'intérieur il y a une petite graine comme ça. Ouais. Et ben, je sais pas, la dame est partie chercher quelque chose. Ok. Oh, coque chai. Oh. C'est bon? C'est comme des. Wow. C'est mi-noisette, mi-caca. Ouais. C'est torréfié en fait. Regarde. C'est super bon. Et encore un truc, on sait pas le nom. Ouais. On va se renseigner. Very good. On a fait 2 mètres et dans la maison d'à côté, on arrive à voir le fruit brut en fait. J'appelle ça un fruit, mais. Donc ça ressemble à ça. Donc on enlève la première coquille, ensuite la seconde, on récupère l'intérieur, on torréfie. La graine, on la torréfie, on la mange, ça a un goût, très comme tu as dit tout à l'heure, de noisette. Très très bon. Très bien, super, merci à vous. Merci beaucoup. Bon ben voilà, elle m'a vendu le plat, hein, forcément, de la belle viande grillée avec du riz. Elle m'a annoncé 40 000 le plat, on a dit ok. Alors là, on va se régaler. Ah mais c'est sûr. Donc j'ai choisi 2 petits morceaux de viande qu'on m'a découpé. Oui, il n'y a pas de couteau, donc on a découpé la viande, tel un enfant. Avec ça, tatin, dans ce bocal,
sticky rice. Oh, il en manque un peu, on dirait. Oui, on a goûté. Et une petite sauce excellente avec quelques herbes à l'intérieur, très très bonne. Pour moi, bah, j'en profite. Hein. T'as réussi à avoir ce que tu voulais, je peux prendre une soupe tranquillement. Eh oui, oui, j'aime bien ça. Donc là, on peut dire, c'est des morceaux de bœuf, hein. Ils sont trempés directement dans le bouillon alors qu'ils sont encore un peu rosés. Et ça ressemble donc fortement du coup à un pho bœuf vietnamien, hein, la soupe de bœuf, c'est vraiment ça. Hein, les... Bon bah tant mieux, avec sa petite salade, le citron vert, et voilà, ça c'est fait déjà. C'est bon, on peut parler. Mais tout ça, on va pouvoir se le faire grâce à qui, maman? Grâce à Sylvie, notre tipeur du jour. Sylvie, on te remercie pour ta générosité, on va se régaler, et oui, fini les glaces. Ici, c'est soupe. Exactement. Tu manges pas ton riz. Prise sur le vif. Les petits canards et les petits poulets, ils aiment bien. C'était parfait, maman. Oui, c'était très très bon. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il nous annonce le prix, souvent il se trompe, ouais. En fait. Il y a eu une erreur au départ quand tu as annoncé 40 000. D'ailleurs, ça faisait un peu cher pour ta viande, là, simplement. Oui. En fait, à l'arrivée, on paye 65 000 kips pour nous deux, plus les boissons. Donc bon, il y avait une erreur au départ. Donc ça fait 3,60 €, et là, on est dans les prix corrects de d'habitude. Exactement. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant, parce qu'on n'a pas repris le véhicule électrique, on descend à pied. Oui. Comme ça, on digère. Et ah oui, hein. Bah là, du coup, on va arriver en bas, on va avoir de nouveau faim. Non, t'inquiète, on n'aura pas faim. Maintenant, je suis pas contre un petit check de fruits en arrivant à Luang Prabang, mais on a encore 30 bandes de route à faire, maman. Il peut s'en passer des choses. Pour l'instant, je pense avoir fait le bon, même si j'ai un peu de mal avec le siège. Et voilà, ça y est. Eh ben, dis donc. Du coup, c'est compliqué. Hey. C'est bon, hein? Oui, c'est ça bon. Ça rafraîchit, cette affaire. Hein. Pastèque, c'est très très bon. Mm-hmm. Ils mettent énormément de sucre. De louche. Oui. Ça fait beaucoup, quand même. Au début, quand on connaît pas, on se dit, putain, à chaque fois qu'on prend un jus de fruits, c'est super bon, les fruits sont... Non. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, mais ils rajoutent en plus deux louches de sucre de canne. Alors, c'est sûr que c'est sucré, hein? Ah oui, c'est excellent. Peu importe, fruits mûrs ou pas mûrs. Cette cascade, eh ben moi je la conseille, c'est pas la meilleure période, paraît-il, parce qu'il n'y a pas trop d'eau qui descend de la cascade, mais c'était très sympa. Hein. Ah oui, il n'y a pas de souci, j'avais dit d'entrée, j'avais apprécié dans la descente. Ah, je sais pas, je t'écoutais pas. Ah, je sais que tu m'écoutes pas. Ça me gave cette fumée là, c'est de la fumée en fait, hein. Ce brouillard. C'est la première journée où ça nous picote les yeux, là, c'est fort. C'est pas très agréable. On pensait que ça allait un peu se lever. Non. Peanuts. J'espère que pour la suite du voyage, ça va se lever. Parce que si tous les paysages du Nord Laos sont comme ça, on va rien voir. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ballot. Hein. Ouais, c'est con. Ouais. Pardon? Ouais, c'est con. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai retrouvé. Quoi donc? Hier, les petites barres glacées, là, au lait. Ah, tes suppositoires, là? Ouais, non, mais en France, on en trouve. On n'en trouve pas partout. C'est créole, en fait. Oui. Ça s'appelle des floupes. Des floupes? Vois, maman? Ouais. On en trouve d'ailleurs, pour ceux qui veulent en trouver, en France on en trouve chez Asia Market. Eh oui, ils en font. Donc c'est si vous voulez goûter des suppositoires asiatiques, non, c'est ça créole. S'appelle floupe et c'est il créole, faut je viens de te dire. C'est pas parce que c'est Asia Market qui les vend que c'est plus créole. Oh, un peu plus. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Ouais, j'ai eu le temps de poser, de gobeler et tout. T'as vu ça un peu, j'ai pas déjà été bon ce là. Ce matin t'étais à la rue. Ouais, c'est bon.